Bon, on va essayer de démarrer comme ça. Salut à tous, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Simon et Noah, Papa Fortnite, qui va commencer la suite des opérations, c'est-à-dire les missions de Midas. On avait réussi à trouver les clés, on avait réussi à améliorer une arme de épique à légendaire. Et maintenant, il nous reste ces deux missions-là. Ah, ça. Donc obtenir des renseignements dans des parties d'opération. Okay. Et ensuite, infliger des dégâts à des joueurs ou des acolytes, au yacht et à l'agence. Et ben on va faire ça. Enfin, on va essayer de faire ça. Ok, c'est parti. C'est parti, le live est lancé. Alors j'espère qu'on va trouver tout de suite l'hélico. Ce sera pas mal pour faire des dégâts. Tuer un agent. Et ensuite partir au yacht. Faire la même chose. Et la mission sera réussie. Après il nous faudra faire les modes d'opération. Alors, mode d'opération, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais ce sera l'occasion de se dérouiller un petit peu. L'occasion d'essayer voir ce qu'on sait faire. Qui c'est qui me tire dessus là? Qui c'est qui me tire dessus? Tu vas te calmer, tu vas te calmer tout de suite. Voilà. Hein. Ok. Voilà, t'es calmé, t'as pris des trucs dans la tête. Mais tu tires. C'est Fortnite, c'est un peu bizarre quand même la façon dont ça tire. Honnêtement, bon, qu'est-ce que tu me veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre? Tu veux te battre? C'est ça? Tu veux te battre? Viens ici, viens ici, viens ici. Ah, tu t'enfuis, t'as peur du miaou. Hein? Bon on va s'asseoir. Hein. On va s'asseoir là parce que la partie elle est pas prête de commencer. Ma chaise tourne, c'est de la magie Fortnite. Il regarde sa montre, qu'il n'a pas, bien sûr, il n'a pas de montre. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que ces émotes? Qui c'est qui m'a mis? Ah, ça c'est préféré. Ah bah il s'est coupé. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on va aller à l'agence. Faire des dégâts, piquer l'hélico, aller au yacht. Je pense que ce sera déjà pas mal. Ok. Alors, il y a un mec qui parle, c'est le fantôme. Alors, voilà, ça c'est le problème de Fortnite. Il y a des gens. Coupe pas le micro. Bon, allez, on s'en bat les steaks. Bon. Alors là, il y a un flingue. On va prendre ça. Voilà. Bien. Un petit peu mieux. Bon. Les dégâts. Et on n'a pas de. Non. Construction. Et tuer un agent qui doit se trouver ici. Qui doit être tout seul, facile à tuer. Voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et on va prendre l'hélico. Si on ne sait pas tirer dessus avant. Si on ne sait pas tirer dessus. Qu'est-ce qu'il est bruyant? Je pense que je fais le mieux parce que là. Il parle un peu trop. Hop. Muet. Muet.
Voilà, beaucoup mieux, il parle plus. Ça ira beaucoup mieux. Alors, maintenant qu'on a fait des dégâts à quelqu'un de l'agence, on va faire des dégâts à un agent au niveau du yacht. Ça nous permettra de faire la dernière mission de Midas qu'il nous restait à faire en mode Battle Royale. Et après, on ira faire quelques petites parties opérations, gagner des renseignements. Voilà. Et on aura rempli toutes les missions de Midas. Et on pourra faire la dernière mission de Midas qui est la mission Ombre. Et je me souviens de la mission Ombre, en fait, il faut livrer deux armes légendaires dans une boîte aux lettres Ombre. Une boîte aux lettres qu'on peut trouver facilement à Steamy Stacks, juste à l'entrée de la ville. C'est pas qui me tire dessus là, c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que moi je viens juste en pote comme ça, tu vois. Et voilà. On a rempli la mission. Pas mal non plus. La mission est remplie. Il y a des mecs un peu partout en bas là, des bananes, des trucs. C'est bon, laissez-moi tranquille. Je vais retourner voir mes potes à l'agence. Oui, non mais s'il vous plaît, c'est un hélicoptère que j'ai payé très très cher. J'aimerais bien le rendre en état à l'agence, hein, parce que sinon il y a des pénalités, il va falloir payer de l'argent, tout ça. Et on veut éviter tout ça. Alors, c'est parti. Non, ils me font des rayures sur l'hélicoptère, donc forcément, je suis pas content. Tiens, il y a de la fumée bleue là. C'est peut-être un schtroumpf qui est en détresse. Sauf que ici, on est à Frenzy Farm et qu'à Frenzy Farm, il y a toujours trop de monde. On va pas y aller. Est-ce que j'enlève le mute des autres? Non, je pense pas, ils parlaient déjà beaucoup. Ils étaient déjà très énervés. On va descendre. On va le remettre là, tranquillement, voilà. On évite de se faire écraser hein, par l'hélico, hein, bien sûr. On évite toujours d'éviter de se faire écraser par l'hélico. Donc on est toujours en fantôme, tranquillement. On va aller voir s'ils m'ont laissé des trucs, s'ils m'ont laissé des petits coffres. Ce serait bien sympa de leur part. Parce que, bon, ok. Donc ils ont rien fait. Ils sont à l'agence, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais point pourquoi ils sont à l'agence. On va organiser tout ça. Hop. Hop, voilà, après, si tu veux me piquer mon hélico, il n'y a pas de problème. Oui. Ah non, ils se font tirer dessus. Il y a quelqu'un qui arrive. C'était pas très sympa ça. On va se soigner. Vous avez vu ma tête. J'ai perdu toute ma vie. J'ai 5 points de vie. Voilà. Merci bien. C'est sympa. Fusil d'assaut, machin de choses. J'ai pas besoin de tout ça, je vous avoue. Si je peux juste avoir un petit peu de bouclier, ce serait sympa. Je demande pas grand-chose. On casse les toilettes, hein. Toujours casser les toilettes, c'est très important. Vous imaginez pas ce que c'est.
Quand la femme de ménage, elle arrive à l'agence, elle voit tout ça. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ces malades? Je vais devoir tout laver, tout réparer. C'est ouf, quoi. C'est fou, c'est fou. Alors, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés depuis, qui vont nous poser des problèmes. J'ai l'impression que notre équipe s'en soucie peu. Voilà. Décidément, j'ai plein d'explosifs. Je vais peut-être en prendre. Voilà. Hop là. Et là, je fais boum. Il y a des gens qui sont dans l'eau, hein. Comme vous le voyez. On entend des gens dans l'eau. C'est pas bon signe. En général, s'il y a des gens dans l'eau, c'est que bientôt, ça va être la grosse bataille. Alors, que font mes amis? J'ai l'impression qu'ils ne font pas grand-chose, malheureusement. Alors, ils sont où les autres qui sont dans l'eau? Voilà. Le mec qui était dans l'eau. Pas dire, mais. Fear Master là. Alors, Fear Master en anglais, qui veut dire le maître de la peur? Bah, il a fait dans l'eau. Hein. Je sais pas ce qu'il faisait depuis tout à l'heure. Que je vous propose, c'est qu'on se change. On est toujours à la recherche d'un petit peu de bouclier. Voilà. Je vous le cache pas, j'aurais bien aimé avoir de bouclier. Il suffit de demander. Hein. En général, dans Fortnite, tu demandes et Fortnite, tu fais OK, tiens, tu veux du bouclier? Bah, tiens, voilà du bouclier. Voilà du bouclier. Mais tout bon. Toujours dans la zone. Ils ont vraiment rien looté hein, dans l'agence. J'ai eu le temps d'aller au yacht, de revenir, et là, tout est ouvert. Tout est à looter. Voilà, on va prendre ça. Peu de trucs. Prendre ça aussi. On va sortir de l'agence. Alors, je ne sais jamais où est-ce que je sors. Bon, écoutez, on va sortir par là. Ce sera plus simple. Alors bien sûr ils m'ont laissé tout seul. Je sais pas, ils vont. Ok. Allez go. Parti. Bon, on va les démuter. Ouais. Je pense que ça va pas être long. Hein. Là, on le fait juste pour être sympa, pour les écouter. Mais dès qu'ils veulent un peu trop, on va pas être copains. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti là? Non? Ils veulent pas y aller? Non, non, non. Papin. Il a l'air vénère Deadpool. Mion, mion, mion. Ça sent l'équipe de qui va mourir. Donc, on a de l'explosif, on a un tremplin. Simon me dit toujours, papa, t'as oublié ton tremplin. Non, je n'oublie pas mon tremplin. C'est juste que de temps en temps. Je sais pas ce qu'il dit. Il a un micro, il parle. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'il dit? Non. Prenons du bouclier. Du shield. Ah, j'ai demandé du bouclier, j'en ai beaucoup. Hein. Bon, écoutez,
Ça va être simple. Fantôme, excuse-moi. Ah, le silence. C'est ce qu'on préfère quand même. Voilà, du silence. On a a priori quelque chose là-haut. On va aller chercher. Hop. Voilà, un petit coffre. Très bien. Et encore du bouclier. Je n'ai jamais eu autant de boucliers dans ma vie. Prenez le bouclier, les amis. Alors c'est là que tu te dis, les mecs, quand même. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est ça que je comprends pas. C'est des fois. Les mecs, ils courent tout droit, ils n'ont pas de machin, ils n'ont pas de bug. Non! Ok. Il est où celui qui m'a tiré dessus? Et... Alors, ne surtout pas bouger quand tu bois ton bouclier. Hein. C'est du gâchis. Bon, et eh bien voilà, moi mon équipe elle ne sert à rien hein, comme d'habitude, ça glandouille, ça se dit ah mais tiens mais en fait on est tout seul là, et ça se bat depuis tout à l'heure, et puis on signale les ennemis mais en fait rien du tout. Alors là l'autre il saute depuis tout à l'heure. Qu'il a pris mon... Ouh. Alors, ok. Équipier suivant. Il reste donc petit Buns niveau 5 qui s'enfuit. Bravo petit Buns. Allez. C'est la fin de ce live, donc on va retourner au salon. Hein. On a réussi donc l'émission de Midas, donc ça c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense qu'on va passer à la mission suivante. On va passer à la mission suivante. Mr. Banane Steals Ombre. Je prends, c'est pas mal. Et voilà, et qu'est-ce qu'il nous reste comme mission pour Midas? Des missions pour des parties opérations qu'on va faire juste après. Ok, cool, merci, à la prochaine.